Voici l'histoire du retour d'Ulysse à Ithaque. Après de longues péripéties, Ulysse revint à Ithaque. Les prétendants voulaient épouser sa femme Pénélope pour devenir roi. Pour les faire patienter, Pénélope usa d'une ruse. Elle leur dit qu'elle en choisirait un lorsqu'elle aurait fini de tisser le linceul pour le père d'Ulysse. Mais elle tissait le jour et défaisait la nuit ce qu'elle avait fait, de sorte de ne jamais avoir fini et de ne jamais avoir à choisir. Un jour, quelqu'un découvrit sa ruse. Elle décida alors d'organiser une épreuve pour les prétendants. Elle fit poser 12 haches en croix sur une table et celui qui réussirait à bander l'arc d'Ulysse, puis faire passer la flèche entre les 12 haches, serait le nouveau roi. Pendant ce temps, Ulysse était arrivé chez Eumée, le porcher d'Ithaque, où il avait revu son fils Télémaque. Les retrouvailles avaient été très émouvantes. Ulysse lui dit qu'il comptait se rendre au banquet et au concours organisé pour les prétendants. Il lui dit aussi que dès qu'il leur donnerait le signal, il devrait fermer les portes de la salle et tuer tous les hommes à l'intérieur. En se rendant au palais, une nourrice lava les pieds de ce mendiant. Elle reconnut immédiatement Ulysse grâce à sa cicatrice, mais elle lui promit de ne rien dire avant qu'il n'ait triomphé. Ulysse, toujours déguisé en mendiant, alla se présenter pour l'épreuve. Tout le monde se moqua de lui, car il pensait qu'il n'y avait aucune chance. Les prétendants essayèrent alors de bander l'arc l'un après l'autre, mais personne n'y arriva. Après que tout le monde soit passé, Ulysse demanda à essayer. Les prétendants rirent, mais Pénélope lui accorda sa chance. Lentement, il banda l'arc, ce que personne n'avait réussi à faire, et lança la flèche entre les 12 haches alignées. Tout le monde le reconnut car personne d'autre qu'Ulysse n'était capable d'un tel exploit. Une formidable bataille éclata. Télémaque se battit aux côtés de son père. Étrangement, Pénélope douta encore que cet homme fût Ulysse. Pour être convaincue que c'était bien lui, elle lui dit qu'elle allait faire déplacer leur lit.
Impossible, répondit Ulysse. Notre lit est taillé dans un chêne que personne ne peut déraciner. Ce secret, seul Ulysse pouvait le connaître. Pénélope fut alors certaine qu'elle avait bien Ulysse, absent depuis 20 ans devant elle. C'est ainsi que se termine l'histoire du retour d'Ulysse.